بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 2 sur le cours des équations différentielles, niveau Bac 2 Sciences Math, l'année scolaire 2022-2023. Résoudre les deux équations différentielles suivantes. Petit 1, 2y prime plus 3y est égal à 0. Petit 2, racine carrée de 2 fois y prime ou racine carrée de 3 fois y est égal à 0. On passe maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Résolvant l'équation que je vais appeler E1, 2y prime plus 3y est égal à 0. On a 2y prime plus 3y est égal à 0 équivaut à 2y prime est égal à moins 3y. Ceci équivaut à y prime est égal à moins 3 demi fois y. Donc j'ai obtenu la forme générale y prime est égal à ay d'une équation différentielle de premier ordre. On a bien sûr la propriété qui dit si vous avez y prime est égal à ay, alors y est égal à lambda fois l'exponentielle de ax est une solution générale de cette équation. Donc on va écrire ici, donc y prime, ou plutôt y, est égal à lambda fois l'exponentielle de moins 3 demi x, où lambda appartenant à R, c'est une constante réelle, où lambda appartenant à R est une solution générale de notre équation différentielle E1. C'est une solution générale de E1. Passons maintenant au deuxième exemple. Petit 2. Résolvant l'équation différentielle E2, racine carrée de 2 y prime moins racine carrée de 3 y est égal à 0. On a racine carrée de 2 y prime moins racine carrée de 3 y est égal à 0. Je vais essayer de l'écrire sous forme de y prime est égal à ay. Donc ça donne racine carrée de 2 y prime est égal à racine carrée de 3 y. Donc y prime est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 6 sur 2 y, après avoir rendu le dénominateur rationnel. Donc on a obtenu la forme y prime est égal à ay. A ici c'est racine carrée de 6 sur 2. Et vous savez d'après la propriété que la solution ou bien une solution de cette équation s'écrit sous forme de y est égal à un certain nombre k fois l'exponentielle de ax avec k est une constante réelle. Donc je vais écrire ici, donc y qui est égal à k fois l'exponentielle de ax, c'est-à-dire racine carrée de 6 sur 2x, où k appartenant à r, ou bien avec k appartenant à r, ceci n'est qu'une est une solution générale de l'équation E ou bien de l'équation E2. Ça y est, c'est terminé. Donc cet exercice a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.